Depuis la route du Semnoz, ben, on prend le chemin forestier qui est très bon et qui file tout droit, ne jamais prendre à droite ni à gauche. Et on débouche sur une grande prairie. D'où la vue est sympathique sur le Margeria. Et tout au fond sur Belledonne. C'est une petite promenade champêtre. On traverse le pré de niveau à peu près, puis on retrouve le chemin forestier qui nous amène dans un second pré. Agréable aussi. Et on se dirige vers le haut du pré où on retrouve un petit chalet vieux mais sympathique. Ensuite, le sentier continue là. C'est à cet endroit qu'on rejoint le sentier qui monte d'Alève. Un peu plus haut, on débouche dans l'alpage du Semnoz. Pas une partie en tout cas. Avec les premiers chalets. Au fond, ben, en direction d'Aix-les-Bains. Le Bugey, tout au fond là-bas. Encore un chalet là-bas. Bon, je vais grimper à ce petit sommet. C'est tranquille. C'est vraiment une petite rando de remise en forme. Évidemment, le Mont Blanc tout au bout. Le Roc des Bœufs juste au-dessus de chez moi. J'ai poursuivi un petit peu la crête en direction des poteaux de téléski. Et je vais redescendre le long des pistes de ski pour rejoindre la route du Semnoz. C'est la première fois que je m'aperçois qu'il y a une grosse barre rocheuse là, un peu bizarre.
On arrive au pied de piste du Semnoz, au parking côté Bauge en fait. Et là, il n'y a plus qu'à suivre la route jusqu'au fameux virage où j'ai stationné la voiture.